Si Josy met très loin, c'est ça, les joueurs Osterlo, si quelqu'un peut venir. Ah, je vois là, l'ancien, toujours champion de Belgique, Mickaël Reclou, qui nous montre une réunion et qui va peut-être faire ses débuts dans l'arbitrage prochainement. Mickaël Reclou, on a souvent vu ici. On me dit que dans les vestiaires, on est prêt, on attend simplement le médecin. Il est là. Il y a un grand débat. Il va se reposer, donc pas de problème. On peut passer au combat suivant. Êtes-vous prêts pour accueillir votre Céline Cyrus? Et la politesse veut que nous appuyons d'abord dans le coin bleu son adversaire. Il vient de Lille, agent Tampere, avec une deux charmantes hôtesses également. Le pressage, comme je vous le disais, 9 combats, 6 points. 3 victoires par KO, un vaincu, finaliste des championnats de France. C'est lui qui, dans quelques instants, va se dresser devant l'Ovésien Cyrus. Nous allons l'applaudir parce que je veux voir on est sportif. Et donc, de Lille, mesdames et messieurs, Mohamed Elayachi, pesé à 76 kg, 900 exactement. Son adversaire, 26 combats, 16 victoires, champion de la World Boxing Méditerranée, 7 victoires par KO dans ces 16 victoires, 4 nuls à Jean-Vanacker. Mon cher Cindy, nous attendons Céline Cyrus. Nous ne perdons pas au change pour vous annoncer de ce premier reprise d'un combat prévu en 8 rounds. Thank you.
Mettez-moi, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas.
Il est percutant dessus. Il est percutant dessus. Ta droite au plexus. Bonne petite bouche. Allez, ta droite au plexus. Et tu bouges. Et tu bouges sur un ou deux pas. Par contre, il t'attend tout le temps en contre. Tout le temps. T'as vu, il y a même tempo. Sa droite, elle veut passer. Hein. Allez, continue, c'est bien, moi. Le corps. Allez. Avec ta tête, lève tes mains, gauche, gauche, bouge avec ta tête. Il baisse systématiquement sa gauche. Tu commences ton attaque avec ta droite. Gauche, droite, crochet, gauche et perçu. Tu vois, 2-3 coups. Okay. 1-2-3. Et ensuite, ne reste pas immobile, bouge okay. avec ta tête. Ou passe à côté. Il faut pas que tu laisses ça, ok? Si tu dors, réveille-toi, ok? Réveille-toi, tu dors. C'est bon, c'est bon. Donnez à boire. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y. Oh,
donne-le. Voilà, c'est la fin par contre des 10 dernières secondes. Bah. Maintenant, on a... les rondis passe-moi. C'est ton tempo que je vais ressortir. C'est ton tempo. C'est pas le sien. D'accord ? Hop. Double à droite, gauche, droite, hop, droite, crochet gauche. En bas, t'as vu que tu l'as. Crochet. Tu percutes. Tu les as basiques. Tout est basique, mi-distance, tu peux les placer. Je vais faire comme Anthony, il va endormir moi, mais voilà. Voilà. Respire. Maintenant, voilà, l'efficacité tout le temps. Elle est là. Tout le temps efficace. Maintenant, je veux du volume. Intelligemment. Hop, bam. Du volume à l'intérieur et tu me places efficacité au cigarette. Allez, premier. Box. Thank you.
Okay. C'est Ross. Maintenant, regarde. Dis-le, tu dois aller. Ouais. Fais-le. Tire-le. Écoute, c'est mieux déjà. Ouais. C'est bien. Tu vois, gauche crochet aussi, ça passe. Ensuite, à droite, gauche crochet, ça passe. Okay. Dès que tu te retrouves au rapport avec lui, droite, percute, gauche crochet. Ok, c'est Ross. Okay. Et oh, Cyrus, regarde-toi, quand tu es trop, tu t'arrêtes trop et tu le laisses travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle avec sa gauche et après il fait 12 c'est pour moi maintenant, c'est bon, t'inquiète. Ok, tu commences à travailler, tu dis il était pour toi. C'est bon, ouais. C'est pour toi, c'est moi, bon. Ok, c'est toi, on est chez nous, on doit gagner ce combat-là, il ne faut pas aller lâcher. Réveille-toi. Je suis réveillé, t'inquiète. Ouais, maintenant c'est bon. Donnez à boire. Maintenant c'est bon. Allez, toi. Ok. Allez, fais ton boulot. Il est mort. Si toi t'es fatigué, lui aussi il est mort. On est deux. Respire à fond. Maintenant t'es chez lui. C'est là maintenant que tu dois tout sortir intelligemment. Il y a un danger, on accroche. Voilà. Aucun cas demain. Mais que truc où il se passe 10 secondes sans que je fasse rien. Tu veux faire. Et tu prends l'initiative. Allez, tu te lèves, tu montes, tu vas partir. Allez, on y va. Grand mental. Tu touches le premier. Tu touches le premier. Second round.
Dernière route. On t'a dit, on t'a répété la même chose, les coups qui passent. Tu dois faire, Sirot. Lève tes mains, ne l'approche pas trop. De loin, tu avances comme tu avances. Tu fais ta boxe d'habitude que tu fais. Gauche, gauche, gauche. Gauche direct, droite, crochet, gauche, hypercute. Gauche direct, droite, crochet, gauche, crochet. Ça passe tout le temps. Dès que tu te retrouves corps à corps, droite, hypercute, gauche, crochet, et ferme-toi. Ne reste pas, tu vois. Il tire avec sa gauche, tu es arrêté. Il te contrôle, après, il fait 2-3 coups. Ok ? Bien sûr. Sirot, dernier rond. Il faut qu'on gagne absolument. Tes amis, tous, ce sont des gens pour toi. Allez, Sirot, allez. Vas-y, Sirot. Okay. Allez, dernier rond. Allez, 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 allez
beau travail. T'as fait un beau travail. C'est toi le plus fort. C'est bien, t'as fait un très beau travail. Faut tirer ça. Ça fait gros. Bien les gars, bon combat. Ça fait après. Allez, attends. Attends, tranquille. Ça y est, t'as gagné vite. Super. Salut public, moi. T'as fait un très beau combat. Intensif. Voici donc le résultat de ce combat. Pour Monsieur Nartus, cirrhose 75 et la chie 77. Pour Monsieur Van Grotebrul, cirrhose 74 et la chie 78. Et pour Monsieur Elbaut, cirrhose 74 et la chie 79. Elle est déclarée vainqueur.